Il existe un excellent auteur de polar. Il s'appelle Jean-Bernard Pouilly. Jean-Bernard Pouilly a écrit plein de petits bouquins, des gros aussi, des polars, qui ont tous une trame un peu, disons, anarchiste, pour simplifier. Il n'aime pas trop la société telle qu'elle est actuellement. Jean-Bernard, ouais. Jean-Bernard Pouilly, on l'a croisé un jour, à un concert où on jouait, il y avait en même temps des dédicaces, il était là, il dédicaçait ses bouquins. Il a vu le concert des Bourbonnais et les Princes de Bretagne, il est venu discuter avec nous. Après, il y avait un banquier, on est resté au banquier avec Jean-Bernard Pouilly toute la soirée, c'était super. Et du coup, un jour, dans un de ses bouquins, il avait besoin d'un autre groupe de punk. Et ce groupe s'appelle les Bourbonnais et les Princes de Bretagne. C'est vrai, nous sommes dans un livre de Jean-Bernard Pouilly. Nous sommes même dans deux livres de Jean-Bernard Pouilly. Édouard Menet et les Princes de Bretagne. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas une invention de Jean-Bernard Pouilly. Nous sommes nous-mêmes. Et pour le remercier, nous avons écrit une petite chanson qui ne parle ni de jambes, ni de renard, mais qui s'appelle Jean-Bernard. Jean-Bernard n'est pas un coquin.